Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening. C'est l'épisode du lundi décalé au mardi. Tu parcours, tu craques avec un rerun d'Asmita. On en parle juste après l'intro. Alors que la bannière d'Orada se termine, on a donc ce rerun d'Asmita, bon, qui était prévisible. Perso qui est pas mauvais en soi, j'ai quelques joueurs qui me font de bons retours sur lui, notamment par rapport à ses boucliers qui sont plus utiles que ce qu'ils étaient, notamment à SD quand j'avais fait le test du perso qui m'avait relativement déçu. Le perso est pas mauvais, c'est un bon support, ce qui peut le freiner, ce qui réduit un petit peu, je veux dire, son utilité, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont à condition. C'est-à-dire que les choses peuvent super bien se passer, mais si les conditions se réunissent, les effets se déclenchent comme il faut, c'est des pourcentages de chance en fait d'arriver à les lancer, donc... Malheureusement, voilà, ça aura moins fiable qu'un perso, vous êtes sûr que vous lancez, voilà, ça se passe comme ça, tac tac, c'est bon. C'est ce qui réduit un peu, voilà, son impact sur le game, mais c'est quand même un perso qui est pas mauvais en soi, je le répète, voilà, certains vont dire ouais, il est pourri et tout. Non, il est pas pourri, mais voilà, c'est pas un perso pété, et c'est le fait qu'il y ait un côté random en fait au perso, le fait que forcément c'est moins méta qu'un truc qui est sûr, genre vous posez un Tana, un truc comme ça, voilà, vous savez que ça se déclenche tout le temps, même si c'est contrôlé et tout, ça c'est ultime. Bon ben Asmita, c'est pas un perso comme ça, c'est un perso qui peut s'intégrer à pas mal d'équipes, mais par contre, voilà, c'est pas du auto-win, et très clairement, il y a certains moments, certaines games en fait, où il va pas vous être d'une énorme utilité, parce que tout dépend ce que joue le mec en face, et comment vos skills vont se déclencher. Toujours est-il que le perso reste intéressant, ben, si vous avez envie déjà de le jouer, si vous kiffez ce genre de personnage, en soutien encore, je le répète, et c'est pas un mauvais personnage. Maintenant, au niveau du timing, bon, on sort de Rada, très clairement au niveau des gemmes, on va dire plutôt de paquets, ça c'est clairement sur le long terme, il vaut mieux éviter de craquer sur des reruns, sauf sur des trucs vraiment intéressants, ou alors, encore une fois, pour aller compléter au niveau des gemmes, si vous êtes pas mal, compléter en 40 par jour, voilà, pour avoir le perso, moins le débloquer, l'avoir dans les temples et tout. Maintenant, aller craquer dessus sur une manière des reruns, non, surtout sur un perso comme ça qui n'est pas non plus ultime, je le déconseille très clairement, surtout quand on sait que derrière AfroGC qui arrive, honnêtement, des tests que j'ai fait, c'est un truc qui est quand même monstrueux, actuellement, hein, je ne sais pas si vous nerf ou pas, mais ils n'ont pas l'air parti pour, le perso vraiment envoie du pâté, quoi. Et surtout, un team saignement, ça va être monstrueux, donc j'attends de le voir arriver là, sur la globale pour vraiment pouvoir le tester dans des team saignements et se faire plaisir, mais Afro a l'air d'être un gros personnage, donc je pense que c'est mieux, surtout si vous êtes léger en ressources. Préparez-vous plutôt pour Afro qui servira énormément en team saignement, mais même hors team saignement, moi de ce que j'ai pu tester dans des teams un peu pourris sur la chinoise, franchement ça pique. Donc Afro, attention, gros perso, on approche. Je voulais profiter aussi de cet épisode pour parler deux minutes de GT Arcade, là, de tous les problèmes qu'ils rencontrent derrière moi. Vous avez vu que sur Facebook, alors, ils n'ont pas mis l'annonce de la bannière, c'est pour ça que j'ai décalé moi ma vidéo. Alors, je sais pas s'ils ont fait, ils ont dû perdre des identifiants de leur compte Facebook. Et on en parlait, on a rigolé comme ça dans les commentaires. Mais bon, c'est un peu le. Honnêtement, ils sont capables. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Ils mettent des infos quand même sur leur appli. Je pense que c'est pour un peu créer du flux, ramener le max de monde sur leur appli. Bon, c'est bizarre. Et surtout, c'est l'annonce qu'ils ont fait. Les maintenances, maintenant, se feront qu'une fois toutes les deux semaines. Concrètement, ça veut dire qu'ils vont moins s'occuper du jeu. Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon? Bon, généralement, ça pue quand même un petit peu, hein. Surtout que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouveautés. Alors je sais que tout ce qui est le contenu PvE histoire, on est nombreux à le demander. Ils disent que voilà, ils sont un petit peu embêtés tout ça. De ce que je sais, il y a un problème de droit. Alors je ne sais pas à quel niveau ça se situe en termes de licence et compagnie, mais bon, il y a des problèmes internes qui font qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Alors je ne sais pas exactement les tenants et aboutissants, mais bon, ils ont eu le temps aussi de faire d'autres choses. Et je pense que si vraiment ils avaient envie de sortir les doigts, il y a moyen de faire des contenus PvE, même sur toutes les licences qu'ils ont, il y aurait eu possibilité. Là, sur Facebook, bon, plus trop d'infos depuis quelques jours. Les maintenances qui vont aller en s'étalant. Les problèmes de connexion Facebook qu'il y a eu dernièrement, qui sont, je ne sais même pas si c'est réglé ou pas concrètement, parce que moi, je passe plus par Facebook et ils avaient déjà eu les soucis il y a quelques temps. Bon, il y a pas mal de choses qui s'accumulent. Il y a une mauvaise communication, toujours pareil. Des maintenances qui vont être allongées. Bon, très clairement, le jeu, j'espère qu'ils vont se reprendre, mais j'ai envie de dire, ça fait 2 ans que j'espère qu'ils vont se reprendre, donc je suis un peu pessimiste là, sur la façon qu'ils ont de gérer le jeu, et bon, malheureusement, je pense que je suis pas le seul. Les nouveaux persos, c'est bien, mais il faudrait du renouveau, ils ont pas l'air d'en prendre le chemin, donc bon, je vais garder espoir et qu'il y ait un sursaut d'un coup, une grosse annonce et tout, mais... Franchement, j'y crois pas trop et je trouve que c'est vraiment dommage parce que le jeu a un potentiel de fou. Les bases sont très bonnes, mais malheureusement, la gestion du jeu est désastreuse. Surtout quand je compare en fait à Epic 7, hein, sur lequel je me suis mis il y a pas longtemps, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, depuis que j'y suis, j'ai pas vu de bug, le jeu est généreux. En commençant là, il y a pas longtemps, je veux dire, je suis arrivé à remonter à certains niveaux, je veux dire, j'ai débloqué plein de persos, plein de trucs. Donc je veux dire, c'est possible de le faire, quoi. Si d'autres jeux le font, qui sont en plus à peu près dans la même sortie, puisque le jeu a quasi 3 ans aussi, il me semble. Donc...
y a moyen de le faire, quoi. Sauf que ben, pour le vouloir le faire, enfin pour pouvoir le faire, faut vouloir le faire. Et j'ai l'impression que GT, malheureusement, ne sont pas du tout sur la même ligne de conduite que d'autres développeurs, mais qui, eux, se donnent les moyens. Pour ne pas terminer sous une note pessimiste, on va dire, voilà, on va quand même se garder le moral. Je prépare mon gros hard pull sur Afro GC, parce que là, voilà, j'ai le pack de gemmes. Je vais bien les faire remonter, et Afro GC, quand il sort, gros hard pull avec un braquage à la clé en plus, donc hard pull qui va se terminer très vite puisqu'il va tomber dans les 40 premières invocations. Je compte sur vous pour m'envoyer tout votre soutien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.